Culture à la ferme qui organise les comiques agricoles. C'est un festival en milieu rural qui fête ses 20 ans jusqu'à samedi à Beaucaine dans la Somme et qui s'est offert pour l'occasion de belles têtes d'affiche. Hier, Richard Boringer s'est produit dans une cour de ferme picarde après un concert dans le pré. Reportage Julien Lanchasse et Jérôme Arignan. Récit de Florent Loiseau. Jazz sous les noyers, c'est l'apéritif de cette soirée de culture à la ferme. Le quintet Kate Band assure la première partie de Richard Boringer. Une affiche pas vraiment dans la tonalité habituelle du festival des comics agricoles, mais pour la 20e édition, après tout, il en faut pour tous les goûts. Comme chaque année, c'est toujours de qualité, et puis je pense que c'est bien pour un village comme Beaucaine. C'est authentique, quoi. C'est convivial. C'est essentiellement burlesque, mais c'est aussi de la poésie et bon, c'est du plaisir, quoi. Du plaisir au théâtre, du plaisir avec de la musique aussi, puisqu'on a de la musique dans le pré qui est souvent du jazz. Je voudrais qu'on remercie tous ensemble l'endroit, les musiciens, ceux qui sont là-haut au son, aux lumières, l'endroit, quoi. Voilà. Autour de Richard Boringer, il vient lire ses textes, le road movie de sa vie et de ses rencontres. Heureux de découvrir ce concept de spectacle en pleine campagne picarde. Ça prouve que la France a un cœur qui bat quand même. Que dans les endroits insoupçonnés, des gens se mettent en quête pour faire exister quelque chose pour les gens d'alentour, pour ceux qui veulent venir. Donc comment tu veux ne pas être heureux d'être ici, quoi. J'ai appris à ne plus écrire avec cette putain de drogue, à inventer chaque nuit une nouvelle histoire qui ne verrait jamais la vie. J'ai appris à mentir pour écrire, à me prendre pour un maudire, à tout dire pour qu'il ne me reste rien à écrire. Très en verve, Richard Boringer emmène le public loin dans la nuit, un beau voyage pour célébrer cette 20e édition. Je suis pas un gars de la syntaxe, je suis un gars de la syncope. Tu mets une virgule là où tu veux que ça freine, et puis un point là où tu veux que ça s'arrête. Et on termine.